Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Quand tu viens, tu sais déjà ce que tu vas trouver d'office avant d'écouter ce que j'ai à dire. Donc même si elle cherche la visibilité dans tout le Cameroun, ça ne va rien lui rapporter parce qu'elle n'a pas de contenu, elle peut balbutier comme elle balbutie, elle peut bavarder. Quand il n'y a pas un fond, qu'elle travaille d'abord son fond, elle n'a pas de fond. Alors, moi je n'ai pas envie de t'appeler par tous les noms que tu as sur la toile parce que mon direct est sérieux. Je regarde les lives de Nadège Bappa depuis. Je regarde ses lives depuis. Et moi, je sais gérer les crises de Facebook. Flore a été en crise, haute crise, avec Coco, ma cousine. J'ai géré ça en grand. Je suis sorti de là sans casse. Ça veut dire avec ma relation intacte avec Flore et ma relation intacte avec Coco. Je suis Nathalie Babalé. Je suis, putain, Nadège Bappa. Parce que j'ai des choses que j'adore sur elle. Je vais te faire comprendre. Ce n'est pas parce que tu suis quelqu'un qu'elle est ton amie. Non. Et la seule qui sait faire la part des choses dans tout ça, quand je vous vois là, c'est cette Nadège. Je la suis parce qu'elle est cohérente. Je la suis parce que j'aime l'entendre parler. J'aime sa façon de se coiffer. J'aime comment elle se met, en fait. C'est une dame. C'est une dame. Moi, elle a quelque chose qui me fait la suivre. Tu as compris? Ce n'est pas depuis que tu es arrivé au Cameroun deux fois. Tu es arrivé au Cameroun deux fois. Je le dis toujours, mais je n'ai jamais prouvé. C'est parce que tu m'as attaqué que j'ai posté les preuves. Si je fais écouter les voices, comment tu me harcèles pour me voir? Parce que là, les gens qui regardent très bien ont bien vu que même les images de tes funérailles, de ton village que tu es parti, tu m'as envoyé, je n'ai pas ouvert. Tu m'as cherché à Yaoundé. Tu m'appelais 150 000 fois par jour. Je n'ai jamais, je n'ai même pas retrouvé le numéro du Cameroun que tu utilisais et tu m'appelais pareil. Mais comme je n'avais pas enregistré, sinon j'allais tout poster. Aujourd'hui, tu m'insultes, mais tu m'as cherché à chaque fois que tu es arrivé. Tu m'as même souhaité joyeux Noël. Je croyais qu'en me souhaitant joyeux Noël, sans réponse, tu allais arrêter. Mais tu n'as pas arrêté. Donc, je connais quel genre de personne tu es. Tu ne connais pas la honte. Tu ne connais pas la honte. Toi, tu m'insultes, Sapak. Le machin que tu es là. Toi. Machin là, tu m'insultes Sapak. Tu sais ce qu'il veut dire quand tu traites une femme de Sapak? Tu peux me prouver que je suis Sapak? Moi, je peux prouver que tu es laid. Je peux prouver que tu ne sais pas mettre un rouge à lèvres. Parce que ça, je l'ai dit dans les commentaires. Je peux prouver que tu as quatre teintes sur le visage. C'est-à-dire que teint noir. Comme tu dis que tu es bio, tu n'es pas bio. Tu m'as insulté pourquoi? Est-ce que c'est faux que tu ne sais pas mettre un rouge à lèvres? Bonjour Joséphine. Yézuena. Est-ce que c'est faux que tu ne sais pas mettre un rouge à lèvres? Tu veux qu'on décrypte une image récente de toi? Un rouge à lèvres quand tu n'as pas de lèvres, parce que toi tu n'en as pas. Tu dois tracer le contour du crayon. Parce que comme tu n'as pas les lèvres, même les lèvres tu n'as pas. Tu traces le contour avec le crayon sombre, avec un crayon sombre, avant de mettre le rouge à l'intérieur, pour que ça ne déborde pas. Parce que tu n'as pas de lèvres, ni l'ourlet des lèvres. Tu n'as pas ça. Voilà pourquoi j'ai dit que tu ne sais pas mettre le rouge à lèvres. Et c'est vrai. Ce n'est pas une injure, c'est une critique. Tout simplement parce que quelqu'un a fait un commentaire que c'est quand tu as connu Flo que tu as appris à mettre le rouge à lèvres. J'ai dit non, désolé, tu ne sais pas mettre le rouge à lèvres. Tu dois tracer. Tu es obligé de tracer tes lèvres avant de
de mettre le rouge à l'intérieur. Tous les jours, tu me caricatures. L'autre jour, tu m'as caricaturé. Tu as mis une photo caricaturée sur un post avec deux belles photos, entre deux belles photos d'un photo. Et tu as fait ton truc. Des attaques, des attaques, des attaques. Tu m'attaques, on a quoi en commun? On a quoi en commun? Qui tu mets mes photos sur ton mur, pourquoi? Alors que je ne t'aime pas. Tu es arrivé ici, tu m'as harcelé, harcelé. Parce que moi, les gens n'ont jamais su qui tu, ce que tu es. Tu es une grosse lesbienne. Quand on te voit, tu n'as rien d'une femme, tu es un homme. Tu es un homme manqué, tu es une femme manquée. Tu m'attaques pourquoi? Tu m'insultes pourquoi? Tu me caricatures tout le temps sur le mur. Tu as déjà vu un jour ta photo sur mon mur? Toi et moi, on a quoi en commun? Est-ce que j'ai accepté ton amitié un jour? Est-ce qu'on est de la même catégorie? Tu es arrivé, tu peux pas souhaiter joyeux Noël à quelqu'un, il ne te répond pas. Tu l'appelles 150 fois, elle ne te répond pas. Tu envoies les photos du deuil de ton village qui ne m'intéresse pas, elle ne te répond pas. Tu m'invites pour venir dans ton village, je ne te réponds pas. Et tout ça parce que j'avais des problèmes avec Flore. Pardon, attends, oui, je vais gérer ça. Je suis trop... Vraiment. Okay, maman. Je ne veux plus. Oui, maman, je vais amener, je vais voilà. Je ne te veux pas comme ami. Et c'est pour ça que tu as pété les plombs. Tu as commencé à me faire des piques. Tu me fais des piques. Est-ce que je cherche la starmania comme toi? Est-ce que je cherche la starmania? Est-ce que je cherche à m'enrichir sur Facebook? Non. Tu dis que je suis sa Pâque. Toi, tu es la plus prostituée de la toile. Sa Pâque, ce n'est pas seulement aller avec les hommes. Ton niveau de prostitution, c'est la mort. Parce que tu es comme une pute. Tu es pire qu'une pute. Parce qu'une pute, quand une pute a un client et qu'il insulte, elle accepte quand même son argent. Tu n'as aucune personnalité. Aucune personnalité. Tu n'as aucune personnalité. Je ne sais même pas avec qui peut te faire confiance. Si Facebook, ce n'était pas le game, parce que pour moi, je ne considère rien de tout ce qui se passe sur Facebook. C'est que si ce n'était pas le game, j'allais me poser des questions. Mais c'est le game. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux te... Je ne sais pas quelle mission je peux te donner. Parce que si je te donne ma mission, je sais de plus que tu vas me voler. Parce que tu es une braqueuse, tu es une voleuse, vraiment, qui n'a pas de limite, qui n'a pas honte. Les voleurs se cachent, toi, tu ne te caches pas. Tu as été avec Flore. Tu l'as invitée. Elle est venue faire l'événement. Tu ne voulais plus qu'elle soit avec quelqu'un. Donc, tu voulais même voler son image. Tu ne voulais pas que quelqu'un d'autre l'invite en dehors de toi. Donc, tu as volé. Donc, dès qu'elle a pu sortir de tes mains, tu l'as insultée pendant 6 ans. Tu as invité Tata Doudou pour un événement. Qu'elle vienne faire le Misunga. Parce que Tata Doudou est arrivé sur la toile avec son concept. Misunga, tu as tout fait pour l'inviter. Elle croyait que tu l'invites parce que tu es sa soeur. Et que c'est pour qu'elle vienne pointer et tout et tout. Tu as tout fait pour la loger chez toi. Qu'est-ce que tu as fait après? Tu as volé sa recette. Tu as volé la recette de Tata Doudou. Ça a fait boum ici sur la toile. Et tu as dit que c'est une recette du Cameroun. Les Misunga, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu as même pu faire? Ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé, les Misunga t'ont dépassé. Mais Tata Doudou jusqu'aujourd'hui est dans ces Misunga. Tous ceux que tu approches, tu voles. Aujourd'hui, c'est pas ça que... C'est que je ne sais pas, tu es devenu, je ne comprends pas. Normalement, je croyais que tu es intelligente. Tu n'es même pas intelligente. Parce que si tu es vraiment contente, du contrat qu'on t'a donné, que tu as eu. Je ne sais pas si ce contrat... Tu ne devrais même pas faire tout ce que tu fais. Hein. Tu ne devrais même pas faire tout ce que tu fais. Parce que c'est une chance. Tu n'as rien pour assurer ce contrat. Parce que pour que moi, j'achète tes produits, il faut que je vois comment tu bois et que ça embellit ta peau. Parce que quoi qu'on dise, tout ça, c'est pour embellir la peau. Quand les gens achètent les produits pour la peau, c'est pour que la peau soit embellie. Tu devrais prendre d'abord le temps d'avaler ces produits pour qu'on voit ça sur toi. Avant de convaincre les gens. Mais d'office, c'est beaucoup de travail.
Parce que si moi j'ai les produits à vendre, je vais déjà prendre une personne qui est finie, qui a un teint déjà fini. Mais pas toi. Est-ce que c'est faux quand je dis que tu n'as pas ta taille dans les perruques? Est-ce que toi tu m'appelles Sapak? Ça veut dire que tu as insulté mon mari. Ça veut dire que tu as traité mon mari d'un homme qui a épousé une Sapak. Babalé, j'ai dit, hein, toi tu peux insulter une femme. Tu peux insulter une femme. Tu peux te mettre comme ça, insulter une femme. La dentition, tu n'as pas. La bouche même qu'un homme peut même aimer. Il y a les choses quand même. Voilà, tu n'as pas. Le corps même, tu n'as pas. Tu es là comme quelqu'un qui fend le bois au Canada. Comme il fait trop froid là, je pense que ton métier c'est fendre le bois. Tu fends le bois au Canada. Tu n'as rien pour parler devant les femmes. Le style même, tu n'as pas. L'élégance même, tu n'as pas. L'habit même, tu n'as pas. Le lait de corps même, tu n'as pas. Les chaussures, tu n'as pas. Tu mets, tes pieds sont comme ça, comme les machins qu'on met quand on va nager. Quand on va nager. Tu peux m'insulter, toi. Depuis que tu as acheté le frigo, tu te mets au frigo. Va te mettre dans ton salon, on voit. Va te mettre dans ton salon, on voit. Si c'est pas au frigo, c'est dans le camion. C'est dans le camion que tu fais le... Qui t'a même donné le contrat, là? Maman, les gens s'amusent avec leur bien ici dehors. Hein. Les gens s'amusent avec... Bon, on s'en dit que tu as déjà fait quoi, ça a marché sur la toile. 6 ans. Tu t'accroches 6 ans sur quelqu'un pour pleurer parce qu'elle t'a abandonné. Bien que ça, c'est ça qui m'a fait te fuir. Je t'ai fui alors que je ne parlais pas avec Flore. J'ai dit, si vraiment cette femme s'accroche à quelqu'un comme ça, elle est sûrement en manque d'affection. Un psychologue qui te voit comment tu as réagi face à Flore va dire que tu es en manque d'affection. Parce que tu ne peux pas t'accrocher sur quelqu'un comme ça 24 heures sur 24 quand tu as un mari qui t'aime. Quand tu as même des enfants qui t'aiment. Toi, tu dis que vieille grand-mère. Borosangi. Borosangi. Où sont tes enfants? Parce que les miens sont là. Je serai encore grand-mère là au mois de juin. Si Dieu permet que ça aille comme c'est en train d'aller. Où sont tes filles? Tes enfants sont où? Parce qu'on n'a jamais entendu papa, maman, quand tu fais le live. Hein? Tu as vu mon majordome, il est arrivé là. À 10h, mon fils, il va descendre avec mon petit-fils. À 9h30, mon chauffeur est là. Je leur donne le plan de la journée. J'étais déjà vu qu'elle fait quelque chose qui ressemble, qui donne l'impression que tu es femme. En dehors de ta bouche qui insultait les gens, Sapak. Toi, tu es plus qu'une Sapak. Parce qu'on t'insulte, on crache sur toi, demain on te donne à manger, tu prends. Et c'est ça, c'est les attributs. Aucune dignité. Toi, tu peux insulter Tata Naha, qu'elle est Sapak. Elle a une dignité qui n'a pas de nom. Nadège Baba ne connaît pas mon numéro, je ne connais pas son numéro. Mais c'est une femme super digne. Moi, j'ai des choses que j'apprécie chez les dames, chez les femmes qui sont sur Facebook. Elle est d'une dignité. Tu as quoi face à elle? Que je l'apprécie, toi? Tu viens te mettre pour dire que... hein? Tu as quoi? Tu es quoi? Tu me caricatures sur ton mur tous les jours. Les gens sont même venus une fois me demander ce que je te dois. Hein? Je te dois quoi? Mbelan. Mbasu. Wabeb anokwe. L'aide comme un chimpanzé. Il n'y a pas Facebook au Canada. Est-ce qu'il n'y a pas Facebook au Canada? Tu cherches quoi dans le continent européen? Tu viens chercher quoi ici? Au Cap, en France. Mais fais-toi ton nom là-bas. C'est toi qui viens. C'est toi qui sèmes le Congo. Ça, c'est toi qui. C'est toi. Tu es prête à tout. Tu es une affamée. La plus affamée de Facebook, c'est toi. Toi, tu m'insultes Sapak? Tu m'insultes Sapak? Toi, tu es quoi? Moi, j'ai dit que les gens qui croient que tu es une femme, tu n'es pas une femme, hein? Tu es un homme. Parce qu'on me dit que tu fais même le taxi là-bas, tu fais Uber là-bas. Tu fais le travail des hommes. Uber, ça travaille la nuit et ça travaille le jour. Et c'est pour ça que moi-même, je vois souvent la qualité des pulls et les écharpes que tu mets. C'est la mort. C'est la mort. C'est les pulls des gens qui font les mototaxis ici la nuit. C'est pour ça que je sais que tu fais Uber. Tu es qui? Tu es quoi?
que quand Chapuis apprécie une femme, toi tu viens te mettre au milieu pour l'insulter. J'ai les éléments pour dire cette femme est propre, cette femme est belle, cette femme est digne, cette femme est ceci. Tu dis qu'un voutou t'a traité, un voutou m'a traité. Un voutou m'a attaqué, elle a eu une interdiction au Cameroun, elle ne peut plus venir au Cameroun. Tu n'es pas au courant de ça. Un voutou m'a attaqué, elle a eu l'expulsion du RDPC. Tu n'es pas au courant de ça. Elle te connaît même. Elle ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas. Tu as bien voulu que je m'asseye sur toi aujourd'hui, Nathalie Babalé. Mets-toi un peu à ta place. Hein. Mets-toi un peu à ta place. Et tu ne peux pas trop commencer à t'agiter. J'ai percé. Tu as percé avec quoi? Tu as percé avec quoi? Hein? On te donne les produits pour vendre. Tu... Ça te délire. Parce que c'est limité à ça. Hein. Tu vends, tu fais le chiffre et tu as le pourcentage. C'est exactement comme les gens de Facebook qui nous livrent la marchandise ici. Tu as quoi? Hein? C'est quoi? C'est l'or? Tu veux que je t'attaque là-dessus? Je n'ai pas envie de t'attaquer parce que cette dame d'Amélie, moi j'ai du respect pour elle. Et toi, tu viens découvrir les produits d'Amélie aujourd'hui. Amélie peut vous dire, elle peut vous dire combien j'ai dépensé pour ces produits. Au Cameroun, pas en France. Je dis bien au Cameroun. Amélie peut vous le dire. J'ai beaucoup de respect pour elle. Parce que c'est une battante. Mais toi, tu es obligé de te respecter. Parce que personne ne t'a fait confiance en te confiant ses produits. Sans tenir compte de qui tu es. Elle espère seulement que tu ne feras pas pareil. Que tu n'iras pas envoyer ça à AliExpress pour qu'on copie. Pendant qu'elle attend que tu vends pour elle, c'est pour toi qu'elle vend. Ou que tu vends avec son nom. Moi, je te connais. J'ai vu comment tu as fonctionné avec les ceux qui sont venus auprès de toi. J'ai bien vu. Toi, tu me dis, tu me traites de vieille. Nathalie, tu me fais rire. Tu me fais rire. De toutes les femmes de la toile, c'est toi la plus vieille. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Les 52 ans que tu déclares, tu n'as pas 52 ans. Je vais te prouver. Parce que moi, j'ai fait la Croix-Rouge. J'ai fait un peu de secours et tout. À Médicis, je connais plein de choses. Les symptômes, les choses comme ça. Hier, tu as dit que dans la coupure que tu as envoyée, tu as dit que tu avais les yeux qui sèchent. Que tu as les yeux qui sèchent. Je vais t'expliquer. Quand les yeux sèchent, quelqu'un t'a même dit dans le live qu'il faut que tu achètes les larmes naturelles. Ça, c'est les signes de 60 ans. Hein? C'est les signes de 60 ans, ce n'est pas les signes de 52 ans. Tu as compris? C'est les signes des personnes qui avoisinent 60 ans. Quand les yeux, le corps ne produit plus les larmes, tu es partante. C'est 60 ans, ça avoisine 60 ans. Toi, tu achètes déjà les larmes artificielles pour mettre dans tes yeux. Regarde les poches que tu as là en bas. Tout ça, je ne comprends même pas comment tu peux déclarer que insulter une femme vieille et que toi-même, tu sais que dans ton tous tes poils sont blancs. C'est pour ça que tu es toujours congolibon. Tous les poils de ton sont blancs. Tu as dit que tu avais les yeux qui sèchent. Hein? Non, mais c'est la vieillesse. Est-ce que tu me vois porter les lunettes? Tu m'as déjà vu, j'ai les lunettes, mais je les porte vraiment, vraiment quand je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Et une fois en passant, mais toi, tu as déjà les yeux qui sèchent. Les poches sont là, tout, 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 tout. Toi, tu insultes que je suis sapac, donc tu as insulté mon mari. Tu as insulté mon mari. Tu sais quoi? Tu es la seule femme qui se vante et qui se pavane qu'à 48 ans, tu n'as pas pu avoir un nom. En Europe, 48 ans, tu n'as pas pu avoir un homme. Tu es venu au Cameroun, tu as épousé un sauveteur. Bonjour Zenaba, tu as épousé un sauveteur au Cameroun, tu as porté, tu as amené au Canada. Il y a déjà les gens qui m'ont contacté pour toi, mais je ne descends pas en dessous de la ceinture avec toi. Je ne descends pas. Parce que ce que j'ai déjà reçu ici, depuis hier que j'ai fait le poste, c'est la catastrophe. Toute ta vie. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne suis pas une petite femme. Tu comprends? Ta misérable vie, ça te regarde. Mais quand tu dois insulter quelqu'un, soigne tes injures. Parce que là où tu es là,
Un homme ne t'a jamais aimé, hein? C'est pour ça que tu es comme ça. Tu as manque d'affection. Quand vous voyez quelqu'un qui est haineux, sachez qu'elle n'a jamais connu l'amour d'un homme. Un homme ne t'a jamais aimé. Tu as compris? C'est pour ça que tu es si aigri, tu es à la recherche de ce que tu n'as pas. En fait, en fin de compte, tu n'as ni argent ni amour. Ça, c'est grave. Tu n'as ni argent ni amour. Et ça, quand ça arrive à une femme, c'est très, très grave. Tu devrais être humble. Tu comprends? Ce n'est pas parce que Flore t'a donné un peu de... t'a donné la visibilité quand elle est venue au Canada. Tu as voulu t'accrocher absolument à cette visibilité. Après, tu as créé les choses parce que les gens croient que tu es intelligente. Tu n'es pas intelligente. Quand tu coupes les vidéos des gens, tu mets sur ton mur. Tu coupes les choses des gens, tu mets sur ton mur. C'est du vol. Ton concept, c'est quoi? Ton contenu, c'est quoi? C'est voler les vidéos des gens. C'est ça ton contenu, en fait. C'est voler les vidéos, voler les images. Tu fonctionnes dans du vol. Tu ne fais que voler. Tu voles, tu voles, tu... Puisque tu as mis, tu mets les images, tu sais que quand tu vas mettre le truc de Guylaine Chapuis sur ton mur, ça va, les gens vont regarder. Les gens vont regarder. Hein? Attendez un peu. Putain, je n'ai pas... Voilà. Attendez. Attendez, je vais... il y a Wi-Fi qui bug. Je vais charger un peu mon téléphone. Je dois mettre du crédit. Putain, attendez. Je n'avais plus... il y a mon Wi-Fi qui bug. Là, j'ai mis la 4G directement. J'ai mis du crédit. Tu es une voleuse. C'est pour ça que tu ne peux pas te coucher comme moi. Comme ça, tu réunis 200 personnes. Tu réunis 300 personnes. Moi, c'est mes contenus. Quand je me couche comme ça, je suis sûr que les gens vont se connecter. Si tu ne voles pas mes vidéos, tu ne voles pas les vidéos de fou, tu ne voles pas les vidéos de tout le monde, tu ne vas pas exister. Tu as quoi dans la tête? On dit que tu es intelligent. Tu es intelligent par rapport à quoi? Tu as créé quoi? Tu as créé quoi? En dehors de monter dans ton camion là et avoir les poches aux yeux et tout, tu es au pays des blancs. Au pays des blancs. À ton âge, regarde comment les poches sont accrochées sur tes yeux. Regarde les poches sur tes yeux. Tu m'as insulté pourquoi? Donc tu as insulté mon mari. Tu as un peu vu le machin que tu es allé porter au Cameroun. Tu sais quand tu as les dos ici, tu choisis, non? Même le gigolo, tu n'as pas su choisir, ma. Même le gigolo, tu n'as pas su choisir. Parce que là où tu es là, là où tu es là, tu as pris ton argent, tu es venu le prendre au Cameroun, tu as tout payé, tu as porté, tu as amené en Europe. Ça veut dire que c'est un bon gigolo. Un homme normal même n'accepte pas ça. Un homme normal n'accepte pas. Tu l'as porté, tu as amené. Est-ce qu'il t'a raté? Il t'a raté. Est-ce que tu es encore avec lui? C'est ça qui te rend aigri. Parce que même la nièce, tu n'as pas. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu es venu porter le gars. Tu l'as amené. Est-ce qu'en portant même le gars, je ne veux pas l'insulter parce que tu as insulté mon mari. Moi, je ne veux pas l'insulter. Parce que lui, il ne m'a rien fait. Je sais faire la part des choses. Je mets les limites. Pour le moment, je mets les limites. Le gars a fait, on sent que quand le gars est arrivé, le gars priait ses mains ici au Cameroun, que Seigneur Jésus, fait que Seigneur Jésus, fait que cette femme ne découvre pas que je ne l'aime pas. Fait que cette femme découvre que c'est le Canada. Oh mon Dieu, mon roi. Fait que cette femme découvre que c'est pour les papiers, c'est pour le Canada, Seigneur. Oh mon Dieu. Même pour Ignace, il boit. La qualité, là, c'est même pas ta qualité, Babalé. Il boit, il souligne des gnasses, et il attend seulement que le Canada, maman, il est arrivé, il n'a même pas essayé de dire qu'il fait des concessions pour que ça marche. Maman, un homme peut dormir avec un homme. Là, tu es un homme, hein. Quand on voit comment la véracité que tu as quand tu parles sur Internet, un homme normal ne peut pas te draguer. Parce qu'une femme essentielle, même quand elle clash, il y a la sensualité, il y a l'allégresse, il y a quelque chose qui dégage l'amour, il y a quelque chose. Tu es sec, tu es... Donc, en fait, même le Mbunga n'est pas sec comme toi. Moi, je te donne des leçons. Essaie de changer parce qu'apparemment, tu vas défendre une marque. Hein? Et pour défendre cette marque, tu dois avoir beaucoup de finesse. Est-ce que la femme va alors t'acheter les habits, t'acheter les soins, te faire les gommages et tout ça? Non, 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 non. C'est très, très compliqué. Parce que tu n'as rien qui... Non, 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 ça sera très compliqué pour toi. Parce que les produits de beauté, hein, s'il te plaît, il faut que le corps accompagne. Hein. Oui, il faut que le corps accompagne. Un produit de beauté, moi, si tu n'as pas le physique qui va avec, moi, je ne regarde pas. Que ton produit soit bon ou pas, si tu ne reflètes pas le produit que tu vends, je ne te regarde pas. Désolé. Et moi, je n'ai pas de team.
Moi, j'ai des personnes que j'adore sur Facebook et tu ne peux pas venir juger mes commentaires et dire que je te déteste. Non. Et sache que si je réponds aujourd'hui, c'est parce que tu me caricatures depuis. Je ne t'ai jamais répondu. Nathalie, je ne te réponds pas que tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Dis-moi qui tu es. J'ai percé. Tu avais crié que tu as percé quand tu as fait l'événement avec Flore. C'était dans cette logique. Tu ne voulais plus personne à côté de Flore. J'espère que là où tu es arrivé, là, tu ne vas pas arriver au niveau où tu vas dire que même compresseur, tu ne l'avais plus. Parce qu'on te connaît, non? On te connaît. Tu es une. Comment on appelle ton genre? Tu es une. Heureusement même que tu es au Canada. Comment on appelle les gens comme toi? Mais tu es dangereuse. Tu es dangereuse. On ne peut pas croire en toi. Dis-nous ce que tu as fait toi-même sur la toile et on a vu. Tu n'as même pas une ligne. Ta ligne, c'est d'accrocher sur quelqu'un et commencer à insulter pour te faire des vues. Partager, couper ses directs et décrypter pour te faire des vues. Ton contenu, c'est quoi? Tu es une opportuniste de première. Tu te lèves, tu m'insultes, machin. Ta tête comme l'indien qu'on a planté sur un terrain qui a l'engrais. Parce qu'on met l'engrais quelque part, on plante l'igname. La bosse sort là-bas. Tu es qui pour insulter les femmes? Tu es qui pour m'insulter? En Europe, tu fais la publicité du frigo. En Europe, que tout le monde peut avoir un frigo, tu décides même de payer 2 euros par mois. Tout le monde entier. Tu te vantes avec le frigo. Va un peu dans ton salon, on voit. Ou je ne sais pas combien d'années au Canada, va un peu, on voit. Va un peu dans ta chambre, on voit. On s'est basé sur quoi pour te faire confiance? Saisis cette chance et tu enlèves ta bouche sur les gens comme les nous là. Parce que les nous là, on connaît les produits. Ne fais pas que tu nous attaques et nous on dit que c'est parce que vous êtes... Ne m'attaque pas. Parce que moi, je suis le grumier. Ça dit que je prends ton mari, je prends tes enfants, je prends ton commerce, je prends tout. J'écrase ça et les gens vont m'écouter. Parce qu'on me voit, on sait que je suis soignée. Alors, tu n'es qu'une vendeuse. Tu n'es qu'une vendeuse. Tu te calmes sur moi. Et tu m'ignores. Moi aussi, je t'ignore. Si je vois un post ou un live qui te ressemble, je peux mettre un commentaire. Et le commentaire n'est pas un commentaire mensonger. Le commentaire, je vais le mettre parce que c'est ce que tout le monde va voir. Quand je dis que tu ne sais pas mettre un rouge à lèvres, Babalé, c'est vrai, je peux agrandir ta photo. Tu mets le truc, ça déborde comme ça. Quand tu n'as pas de lèvres, trace le contour, l'oulet de tes lèvres avec un crayon. Et tu mets le rouge à l'intérieur. Là, c'est propre. C'est propre. Et ça veut dire que tu ne sais pas mettre. Et aujourd'hui, tu auras appris quelque chose. Au début, tu m'appelais brûlé. Et ceci, cela. Là, tu as dit végétural. Toi, tu es donc belle. Tu as quoi? Un homme debout comme ça, les pieds, on dirait les pieds, on dirait les je ne sais pas quoi. Il y a une dame du Canada qui m'a livré toute ta vie ici. Tout. Avec les photos de tes enfants et ton adresse. Mais moi, je n'entre pas là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis plus clasheuse. Je réplique quand on me cherche. Je réplique. Donc, comme tu as fait le lab, là, tu m'as insulté. Je te réplique. Je te dis tout simplement que tu es d'abord sale. Tu es d'abord une sale femme. Tu es une sale femme, Babalé. Parce que ton visage, là, on voit que même l'eau de rose ne passe pas sur ça. Tu ne peux pas avoir un teint ici, un teint ici, un teint ici, un teint sur ton nez, un teint sur ton front. Tu ne peux pas. L'eau de rose, la lotion, le béaba, ça ne passe pas sur ton visage. Si ça passait, c'est que... Parce que quand tu es noir ici, un peu clair ici, sache qu'il y a, une production, beaucoup de sébum. Il y a trop de peau morte. Ça veut dire que si tu nettoies, je dis avec l'eau de rose,
Les pommes là vont sauter et ton noir sera uniforme. Va chez Natacha de Monaco. Va chez l'étoile cribienne. Voilà les gens qu'on appelle que peau noire. Voilà les gens qu'on appelle peau noire. Donc arrête ton cycle. Moi, j'ai refusé ton amitié. Ça me faisait mal au cœur hein, quand tu m'appelais plusieurs fois et je répondais pas. Ça me faisait mal au cœur. Mais j'étais obligée de ne pas répondre parce que je suis une femme intelligente. Je ne peux pas te voir salir, insulter une femme avec qui tu as été hier pendant 5 ans, 6 ans. Et demain, tu viens me frapper à ma porte que tu veux déjà être mon ami et je t'accepte. Non. Non. Parce que tu voyais que j'avais les problèmes avec Flore. Non. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai les problèmes avec Flore que je dois être l'ami de ses ennemis. Ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Moi, on ne me manipule pas. Tu es manipulatrice. Tu n'es qu'une manipulatrice. Parce que tu savais qu'en venant ici, oui, tu vas déjà vu tu seras reçu, tu auras ceci, tu auras. Tu savais, tu es une profiteuse, tu es une envieuse, tu es une mendiante. Mendiante numéro 1 sur Facebook, c'est toi. C'est à cause de comment tu as traité Flore que je ne peux pas t'approcher. Tu as compris? À cause de la manière que tu avais... Et que je ne parlais pas avec Flore. Que j'ai dit que tu n'es pas une personne à fréquenter. Tu n'es pas une personne à fréquenter. Tu es très opportuniste. Tu es très, très... En fait, tu veux tout avoir. Tu rêves. Et tu as un cœur qui brûle. Tu as un gros cœur qui brûle. Qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Et comme tu n'arrives pas, tu mets la bouche dessus. Je n'ai pas trop vu ton événement, hein. On dit que j'ai entendu dire que tu as fait l'événement le 8 mars. Pourquoi ça n'a pas fait le boom comme celui de Flore? Réussis une seule chose dans ta vie avant d'insulter les gens. Je préfère être une vraie sapaque que d'être comme toi. Tu insultes les gens, prostituées, un client par gauche, un client par droite et tout et tout. Toi qui ne fais pas, ça t'a amené où? Parce que j'ai ton contenu quand tu es arrivé en France, hein. Tu peux passer le temps à insulter les gens prostitués, ceci, cela, ceci, cela. Insulte prostituée quand tu es sûr. Après, je ne juge pas ce que tu fais. Je juge pas ce que tu dis. Mais on n'a rien en commun. Borsangui, on n'a rien en commun. Arrête de me caricaturer sur ton mur. Parce que déjà, même ici, là, quand je vois même les contrats pour lesquels tu danses, contrat de vendeuse à plus de 55 ans, madame, ça me fait plutôt de la peine. Beaucoup, beaucoup de peine. On ne fait pas un contrat de vente de produits à plus de 55 ans. Parce que tu as plus de 55 ans. Tu as les yeux qui sèchent. Les yeux qui sèchent, c'est que tu veux des adailles. Les yeux qui sèchent, c'est que le corps de produit plus ce que tu as besoin. Ou alors tu te nourris très, très mal. Va à l'hôpital, on va te dire ce que tu dois manger. Tu as compris? Va à l'hôpital. Tu es très méchant, tu es très mauvaise. Tu allais très loin avec... quand je t'entendais insulter Flore, tu allais très loin. Mais quand on voit Flore, tu l'appelais Lélé. Quand on te voit, on voit Flore, c'est toi qui es lesbienne. Parce que c'est toi qui as un corps dans un corps de femme. Tu es une femme dans un corps d'homme. À vue d'œil, c'est ça. Quand on voit même ta façon de danser là quand tu faisais le sport, on voit d'abord ta tête. Tu n'es pas une femme à 100%. Tu n'es pas une femme à 100%. Tu n'as aucune sensualité. Tu n'as aucune... Quand on voit même parfois même comment tu habilles. Moi, comment les gens peuvent même te faire confiance? Tu es travelo, hein? Moi, je te vois comme une travelo. Tu essaies de mettre des rouges à lèvres, mais ça ne donne pas. Tu n'arrives pas à te mettre du crayon. Tu n'arrives pas à te mettre des fards. Tu as des poches comme ça. Si tu es... Il y a des choses, quand tu es une femme normale à 100%, tu ne peux pas laisser apparaître ça longtemps sur ton visage. Je t'avais déjà dit une fois de faire opérer les poches de machin que tu as essayé en bas. Si toi, ça ne te dit rien, ça veut dire que on voit bien que tu n'es pas une femme. On voit bien, ça se voit bien, Babalé. Tu comprends? Oui. Oui, oui Aïcha, j'ai refait. Tu as compris? Alors ne m'insulte plus jamais. Et si tu m'insultes, je vais te verser. D'ailleurs, tu n'as même pas honte. Tu dis que les injures glissent sur toi. Le problème, c'est que tu n'as même pas honte. Une femme, comment une femme peut ne pas avoir honte? Tu as un mal-être profond. Comme on m'a aussi donné le numéro de ton mari, malheureusement, on dit qu'il est déjà venu togolaise. Il faut que tu trouves un homme. Hein?
Il faut que tu trouves un homme dans ta vie. Je te dis, tu dois trouver un homme dans ta vie. Ça ne va pas. Tu as une vie mise. Tu es vraiment en quête d'amour. Voilà pourquoi quand tu as quelque chose, tu veux tellement garder, tu veux tellement fêter parce que tu n'as pas d'affection dans ta vie. C'est psychologique. C'est psychologique. Tu manques d'affection. Et à cet âge-là, c'est très, très pesant. C'est pesant. Et tu ne dois pas verser ça sur tout le monde. Surtout, enlève-moi de là. Parce que c'est comme m'a dit ici. Moi, il dit que je ne sors pas tout ça. Parce que tu es... Je suis encore respectueuse. Et je ne fais que la réplique de ce que tu m'as dit. Alors, Borosangi, je préfère être... Ça part comme tu as dit. Toi, tu peux même me traiter de ça. Que tu te bases sur quoi? Tu es courageuse, hein? Toi, tu te lèves pour insulter Madame Chapi. Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Jusqu'à dire que elle vous a fini, c'était bon à moi. Regarde-moi une vieille femme avec les poils aux fesses. Laisse tes cheveux pousser. Laisse tes cheveux comme les nous là. Pousser. Parce que je me suis défrisée hier. Tu as vu que j'ai le mon vieux? Jamais de la vie. Idiote. Tu peux m'insulter. Un vouto a fini par un vouto m'a attaqué et elle a reçu une interdiction. Dis à un vouto de venir au Cameroun. Je lui paye le billet d'avion. Dis-lui de venir au Cameroun. Donc, c'était bon à toi quand elle vous m'insultait. Elle insultait la première, elle insultait tout le Cameroun. C'était bon à toi. Borosangi, sache que tu es fiché ici au Cameroun. Hein. Sache que tu es fiché ici au Cameroun. Hein. Ne me cherche même pas. Parce que si je m'accroche sur toi, je te dis, tu vas d'abord me dire pourquoi tu m'as insulté. Tu ne m'as jamais vu dans ta mendicité. Partout où tu mendis. Tu ne m'as jamais vu partout où tu essaies de gratter l'amitié, gratter la nourriture, gratter les projets, gratter ceci. Tu ne m'as jamais vu. Oui, la reine, j'ai refait. J'ai refait tout le visage. J'ai refait le visage, j'ai refait la bouche, j'ai refait le ventre. J'ai tout refait. Je suis encore. J'ai encore quelques jours pour cicatriser, mais le visage, ça va, ça commence à aller. Merde. Comme une femme comme ça qui n'a même pas un t-shirt sur elle, qui se lève, elle insulte, elle dit chapute. Hein? Les dents, même la dentition, même qu'une femme peut avoir comme ça, là, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu as compris? Tu n'as rien d'une femme. Alors arrête. Nous, on est les femmes soignées. Quand tu vois Nadège Baba, c'est une femme, hein? Tu vois comment elle trace son crayon, tu vois son rouge à lèvres, tu vois son pull, même si elle décide de faire le live avec, elle est propre. Fiche le camp. Idiote. La reine, moi j'ai fait tout ça ici au Cameroun, c'est nouveau au Cameroun. Hein? Tu vas pas me dire d'apprécier ton t-shirt. Regarde la tenue, quand il y a ton truc là où tu danses, tu fais le sport. Regarde un t-shirt bleu qui est devenu gris et tout et tout. Tu veux qu'on apprécie quoi sur toi? Moi j'apprécie les femmes propres. Hein? Moi l'autre jour j'ai fait une remarque sur le style de compresseur. Moi j'ai bien fait une remarque dessus, sur sa façon de se mettre, la façon d'être propre et tout et tout. C'est clair. Alors si maintenant tu es entouré enfin des femmes propres, il faut qu'elles te relook. Tu as compris? Parce que moi, je ne marche pas avec les femmes sales. Si tu es mon ami, que je t'aime bien, je vais te relooker, je vais te transformer pour que tu sois à la hauteur de marcher avec moi. Donc, tu ne prononces pas mon nom. Tu ne prononces pas mon nom. Aujourd'hui, les gens qui veulent que tu aies un bon rendu doivent... Est-ce que moi, je la suis? Moi, je ne la suis pas. Je ne la suis pas. C'est ce qu'elle veut. Elle veut aussi avoir de la visibilité comme un vautou. Un vautou avait la réputation sur place au Cameroun. Parce que tout le monde connaissait sa réputation et tout. Mais elle n'était pas, elle n'avait pas de réputation sur la toile. Quand elle est arrivée sur la toile où elle a voulu se faire voir connaître, c'est là où elle a attaqué les personnes qu'elle savait que politiquement dans le RDPC sur la toile, tu attaques Chapuis, elle sait que les RDPCistes vont la suivre. Tu attaques VP de Londres, elle sait que les RDPCistes vont la suivre. Et puis, maintenant, la basse va s'amener puisqu'elle sera contre nous. La basse va la soutenir, c'était stratégique.
Est-ce qu'elle vous faisait les lèvres avec 23 vues? Tout le monde le sait. Aujourd'hui, elle avait nos noms. Elle a pu. Maintenant, elle va bien fabriquer. Elle va bien se fabriquer. Borosangi. Mais ça va lui donner quoi? Tous ceux qui iront la regarder verront qu'elle n'a pas de contenu. Elle bavarde dans le vide, dans le camion. Hmm? Elle bavarde dans le vide. Elle a quoi à donner? Parce que dès que je me lève là, maintenant, on va aller faire un petit déjeuner américain dans ma cuisine. Elle veut faire quoi? En dehors de couper les vieux pains qu'elle coupait hier dans le direct, le machin là, elle coupe, elle fend. Elle coupe, elle fend. Les vieux pains pour mettre au congélateur, n'importe quoi. Il y a combien de personnes chez toi en fait? Tu as combien de personnes? Parce que moi, j'estime que tu n'es qu'avec tes deux enfants. Hein? Moi, je ne mange pas le pain qui a dormi. Hein? Je ne mange pas le pain du pain qui a dormi, tu as compris? Et je mange de la baguette française ici. Non, il n'y a pas de beau. Il y a un seul centre. Moi, je ne discute pas avec elle. Je dis tout simplement que quand tu dois insulter quelqu'un, j'ai su que tu avais le gros cœur, le courage quand je t'entendais insulter Flore. Comment toi, tu peux te mettre à insulter une fille comme Flore? C'est le courage. C'est le courage que tu te mettes comme ça, tu insultes une fille comme Flore. Hmm? Non. Non. On ne peut pas laisser les charognards continuer à envahir les gens. Insulte, regarde un peu les femmes qui sont à ton niveau. Moi, je ne peux pas me lever à insulter certaines catégories de femmes. Hmm? Arrête ton cycle et ne prononce plus mon nom. Tous les jours, tu me caricatures. Je te dois quoi? Hein? Refuser de ne pas être, refuser ton offre d'amitié, ça fait de moi ton ennemi. J'allais partager quoi avec toi, Nathalie? Partager le direct. Il faut que je lui pose les questions. Non, je ne peux pas donner ça comme ça. C'est pas n'importe quel sentiment. Écris-moi inbox. Je ne donne pas l'adresse comme ça. J'ai dit, hein, tu voulais mon amitié, on allait se partager quoi? On a quoi en commun? Parce que peut-être tu veux vraiment que je t'explique pourquoi tu ne pouvais pas être mon ami. Parce que d'abord, tu es comme un clown. Tu es d'abord comme un clown. Moi, si je t'appelle deux fois, tu ne réponds pas, je ne t'appelle plus. Je ne vais même pas t'appeler deux fois. En fait, tu m'appelais 150 millions de fois, Nathalie Babalé. C'était pour que je partage quoi avec toi? Tu as vu que tu pouvais être mon ami par rapport à quoi? On allait se dire quoi? On allait se partager quoi? On allait s'asseoir comme ça au restaurant, on cause de quoi? Dis-moi un peu. Ta jalousie envers Flore avait débordé. Ça dit que je ne sais même pas comment tu peux être jalouse d'une femme que tu ne pourras jamais atteindre de toute ta vie. Comment? Je dis, hein, c'est un peu comme si je me lève maintenant, je suis jalouse d'une femme, je ne sais pas quoi. Toi, tu es jalouse d'une femme que tu ne vas jamais atteindre de toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu es jalouse d'elle. Tu as fait 6 ans. 6 ans de jalousie. C'est le petit contrat de vente là. Hey, Azambo Oma. Donc, n'est-ce pas, tu disais que tu insultais Flore ici quand elle avait souvent les contrats de soirée, elle voyageait et tout et tout. Tu insultais, non? Mais pour le petit contrat de vente là, Ma, tu as pris l'avion, tu es arrivé en France. La jalousie t'a fait quoi? La jalousie t'a fait quoi? Pourquoi tu es jalouse comme ça? C'est là où j'ai dit que peut-être tu m'approchais pour me. Ou bien tu croyais que je niaise les femmes ou c'était quoi? Parce que le harcèlement là m'avait dépassé. En fait, Nathalie, dis-moi pourquoi tu voulais être avec moi? Dis-moi pourquoi. Quand on te dit non, ça devient la merde, ça devient les problèmes. Tu crois qu'en disant que Mvoutou a fait ceci, ça, Mvoutou m'a dit quoi que je ne lui ai pas dit. Mvoutou elle ne peut me gagner ni en clash, ni en clash, ni dans les tribunaux. Tu as compris? Ni en clash, ni dans les tribunaux. Parce que moi, je ne vais pas clasher avec les injures. Je vais clasher avec sa propre vie. C'est ce que j'ai fait du début à la fin. J'ai mis son dos par terre. Voilà pourquoi elle a craqué. Je l'ai amené à craquer. Dites-lui ce qu'elle me doit. Dites-lui ce que je lui dois. C'était le craquage. C'est là où j'ai arrêté. Parce que moi, j'ai toujours des limites. Elle a dit, elle peut dire quoi de moi? Elle peut dire quoi de moi? Elle peut dire quoi de moi? N'importe quoi. En tout cas, tu n'es rien.
ne me parle plus jamais, ne prononce plus jamais mon nom. Il y a toi, il y a celle qu'on appelle, qui me caricature aussi, celle de Patricia Mel, je ne la connais pas. Je ne suis pas une voleuse, je ne vole pas. Je ne suis pas une calculatrice, des gens qui sont avec des amis qui les calculent, qui les volent. Et tout ça, voilà. Je pense qu'elle et toi, vous devrez être, je pense, des bons amis. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a toi, il y a cette Patricia-là. Moi, je ne peux pas lui répondre parce que je ne lui dois absolument rien. Depuis qu'on m'a donné la photo de Patricia. Maman. Depuis qu'on m'a donné sa photo. J'ai dit que je ne vais même plus jamais, jamais écouter quand elle parle. Et j'ai vu une photo avec son histoire de grossesse et tout. Je ne veux pas entrer en clash avec tous ces gens-là. Parce qu'on n'est pas, on n'a pas la même ligne. Donc, Babalé, j'ai décidé que tu n'étais pas mon ami. Tu ne seras jamais mon ami. Et je croyais que tu avais compris et que de toi à moi, il n'y avait plus rien. Tu prends ta route, je passe ma route. Je pensais que tu l'avais compris. Et là, je te dis devant plus de 300 personnes que je ne veux pas de ton amitié. Et arrête de me caricaturer. Rocky, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais si tu veux mendier comme Borosangi, comme ça, qui fait les contrats de vente, il va te falloir plusieurs années. Nathalie, tu vas seulement écouter. Tu vas seulement écouter le soir. Tu vas seulement écouter. Quand tu rentres du travail, je n'ai pas le temps le soir. Parce que là, moi, je suis très occupée. Dès que je finis là, je me lève et puis c'est bon. Et même si elle répond, même si elle raconte quoi, qu'elle dise quoi, ce n'est pas mon problème. J'ai dit tout simplement que Borosangi, apprend à respecter les femmes qui te dépassent. Apprends à respecter les femmes qui sont plus belles que toi. Apprends à respecter les femmes qui sont plus aisées que toi. Apprends à respecter les femmes qui ne te cherchent pas. Tu as compris? Chaque fois, il y a mes photos sur ton mur, tu me caricatures. Honnêtement, si on nous met à deux, devant n'importe quel homme, tu crois qu'on peut te choisir? L'homme-là va d'abord te dire d'aller apprendre à te laver. Parce que tu es sale. J'espère que maintenant que tu vends, tu vends les produits, j'espère que tu vas apprendre à devenir propre. Et viens régulièrement sur mon mur, j'ai des petites astuces. Hein. J'ai des astuces qui ne te coûteront pas de l'argent. Parce que tu es très sale. Et on ne comprend même pas comment une sale femme comme toi peut parler de moi. Parce que il y a une chose où tout le monde sera unanime, c'est que je suis parmi les femmes les plus soignées de la toile. Je suis parmi les femmes les plus soignées de la toile. Donc, tu dois me respecter. Les femmes les plus aisées de la toile, tu dois me respecter. Parce que quand on quitte le Cameroun pour aller en Europe, c'est pour aller chercher et le bon mari, et le bon agent, et les bons tout. Toi, tu es allé, ça t'a dépassé, tu es revenu porter la misère ici au Cameroun. Rien que ça, tu dois me respecter. Parce que tu es une incapable. Là où il faut challenger, on ne te voit pas. Tu cherches toujours les moyens les plus faciles. Cherche un homme en Europe. Mets-toi en valeur, tu cherches un homme en Europe et qui répond à tes critères, tu choisis. Ça t'a dépassé. À la ménopause, tu as pris l'avion pour aller prendre un homme au Cameroun. Parce que c'était le moyen le plus facile. C'était le moyen le plus facile pour toi. Nous, on ne cherche pas les choses faciles. Quand tu vois les fleurs de lit monter, descendre, se battre, chercher l'argent, faire leur projet, réaliser des choses. Non, tu es là pour insulter. Tu es là pour insulter. Toi, tu fais quoi? Il a fallu qu'une femme crée sa marque. Elle crée ses produits. Elle se bat pendant des années. Elle met en place. Elle te prend pour venir vendre. Et tu cours, tu fais le bruit plus qu'elle-même qui est la bosse du produit. Tu vois pas que tu es né Tchinda, tu vas mourir Tchinda. Est-ce que tu es conscient que tu es né Tchinda et que tu vas mourir Tchinda? Et c'est toi qui as la gueule. C'est toi qui gueule les gens. Une Tchinda comme toi. Tu as tout pour te créer une entreprise. J'ai dû continuer. Le soubassement, c'est quoi? Le soubassement, c'est quoi? On mange quoi après?
Quand tu fais tout ce que tu fais là, tu parles ton français bracata. Après, on mange quoi? Rien. On attend que les autres travaillent. On attend que les autres créent pour qu'on aille travailler pour eux. Pour gagner pour vivre en pourcentage. En pourcentage. Tu vis du pourcentage. Tu es quelqu'un, tu es une femme. Tu connais même la valeur de la femme d'aujourd'hui. Hein? Donc là où je suis là. Marie. Et quoi? Il y a que. Tu dis quoi? Oh. Ouais, Nathalie. Il reste quoi? Laisse-moi celle-là qui dit que. Elle dit que vieille grand-mère, maman. Toi, les larmes ont déjà séché dans tes yeux. Moi, quand je ris trop, les larmes coulent. Toi, tu n'as plus de larmes. Et ça, c'est le signe pour vous qui êtes chez les personnes âgées. Vous savez quand même que les personnes âgées, on leur met les larmes artificielles, non? Nathalie Babalé a besoin de larmes artificielles. Elle a besoin de larmes artificielles, mes gens. Elle dit qu'elle a 52 ans. À 52 ans, on manque les larmes naturelles. Qu'est-ce que tu as dit de dire devant les gens? Tu sais pas quand on manque les larmes artificielles. C'est à partir de 50, c'est la soixantaine. Quand tu as des larmes artificielles, c'est la soixantaine. Et va les acheter aujourd'hui. Parce que tu ne fais que faire comme ça, tu fais comme ça. Et elle n'a même pas. Elle dit, ouais, il me manque les larmes. Quand une femme manque de larmes, et qui est? Moi, tu es ma maman. Tu es ma maman, tu mets les lunettes et en plus tu manques des larmes. Mais deux. Moi, je vais te faire livrer les larmes là-bas. Parce que vous êtes toujours là, Kumba, Kumba. Vous coupez, vous coupez, vous coupez. Après, quand ça vous rattrape, c'est sur Facebook que vous venez pleurer. Nathalie Babalé pleure les larmes. Elle dit que les larmes, ses yeux ne mouillent plus. Ses yeux ne mouillent plus. Si tes yeux ne mouillent plus, c'est que tes fesses ne mouillent plus. Tu veux qu'on entre là-dedans? Méfie-toi, hein. Parce que si je décortique ce que tu es en train de dire là, vraiment de Dieu, ça sera très grave. Les yeux qui ne mouillent plus. Veut dire que les fesses ne mouillent plus, Nathalie Babalé. C'est pour ça que tu n'as pas de mec. Accepte ton âge. Good morning, Alvin. Accepte ton âge. Tu as compris. Parce que l'affaire des yeux qui n'ont pas de larmes, c'est chez les personnes âgées. Et là, tu es là comme ça, là, tu te prends toujours. Tu es parmi tes petites soeurs, tu te prends toujours pour leur égal. Tu es l'égal de Nadège, papa. Hein? Tu es son égal. Et ça, tu dis qu'elle n'est rien, tu peux clasher propre. Tu clashes la tête, tu te bases sur quoi? Tu peux la clasher quand elle est debout. Tu te bases sur quoi? Elle a beaucoup de classe, d'abord. Elle est propre, elle a beaucoup de classe, ça se voit, non? Ça se voit. Et tu es contre moi parce qu'elle dit la vérité. Va apprendre à mettre le rouge à lèvres chez Nadège, papa. Va apprendre à mettre un pull. Dans la voiture, là, j'ai vu le pull que tu avais, ma. Tu avais vraiment de Dieu, hein. Même le choix des pulls. Mais deux. Quelqu'un reste dans son coin, toi tu viens attaquer. Reviens, tu vas me dire pourquoi tes larmes ne coulent plus. Parce que si ça sèche en haut, c'est que c'est sec en bas. Si c'est sec en haut, c'est sec en bas. Babalé, tu veux qu'on te rappelle qu'à un certain âge, il faut arrêter certaines choses. Il faut accepter. Parce que l'âge Kumba là, hein. Donc à bonjour. L'âge Kumba là, hein, c'est pour les papiers. Quand le corps commence à se mettre en position, mais tu n'as plus de larmes. Hein? Tu n'as plus de larmes. C'est-à-dire que la sécheresse vaginale est aussi déjà là. Hein? Et avec ça, tu ne veux plus avoir l'égard. Hein? Parce que les yeux sont bien quand ça glisse comme ça. Donc le zout aussi bien quand ça glisse. Quand tu peux en haut, c'est que tu peux en bas. Tu ne veux pas seulement nous dire. Je vais te laisser là. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je te laisse là. Je ne vais pas plus loin que ça. La prochaine réplique sera catastrophique. Blanche, bonjour. Bonjour. Elle m'a fait sortir faire le live alors que je n'étais pas encore prête. Je suis encore convalescente. Mais deux. Et là, si tu continues, je vais mettre tes voices. Là où tu me cherches avec la torche, je vais mettre tes voices. Babalé, si tu continues, là, j'ai seulement mis les appels. Je vais mettre les voices. Merci Blanche. Tu as compris?
Là, c'est pour vous dire qu'au Cameroun, il y a tout. J'ai fait une beauté au visage, bien sûr. J'ai fait une beauté générale au visage. Parce que j'avais dit le jour que j'ai 50 ans, je vais faire pour la première fois une beauté au visage. Et ici, il y a des Coréens, Sud-Coréens. Vous savez que c'est la Corée du Sud, non bah ou non. Dans l'esthétique approfondie. Et là, ça coûte pas moins cher, mais c'est même en Europe, je ne pense pas qu'ils ont des appareils de cette dimension de technologie. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait tout. Parce que je n'ai rien à cacher. Je suis comme Flore. Parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Voilà. Donc, j'ai fait tout le visage. J'ai fait le ventre. J'ai fait la bouche. J'ai fait l'acide hyaluronique partout. J'ai refait le nez un peu. J'ai affiné le nez. Vous voyez là. J'ai fait le nez. Donc j'ai encore un peu mal. J'ai encore un peu mal là. Un tout petit peu. Juste un tout petit peu. D'ici demain, samedi, ça sera fini. J'ai aussi relevé mon regard. Vous voyez que maintenant mes paupières étaient droites. Maintenant ça va. Mon tracé va comme ça. Ça monte. Oui. Donc ça a été fait. Voilà. Voilà. Écris-moi inbox, yo-yo. Moi, je vais donner l'adresse inbox. Et après ça, donc, j'ai fini. J'attends. Demain, c'est vendredi. C'est mon dernier contrôle. Si tout est bon, je prends mon avion. Et je pars en Europe. Tu as compris, Borosangui? On n'est pas pareil. Et apprenez à respecter les femmes qui vous dépassent. Oui, ils ont tout effacé, hein, les résidus. Là, tu vois, tu fais ça, c'est tout, tout effacé, tout effacé, comblé là. Tout est comblé là. Là, ici. Ici, vous voyez, si je fais ça, c'est difficile à froisser. Là, c'est tout lisse. Partout, on a refait mon visage, voilà. J'estime que c'est l'âge pour le faire, parce que je m'étais fixé cette discipline. Parce que moi, je mange l'argent depuis longtemps. Mais je fais chaque chose à son temps. Oui. Je ne fais pas n'importe quoi. Bon, c'est parce que j'ai aussi découvert pendant que j'étais déjà en train de partir, quand je reviens, je vais passer peut-être un mois là-bas, quand je reviens, je vais faire le buste. Voilà. C'est comme ça. Pas autrement. Donc, toi, la femme là, méfie-toi avec moi. Parce que si tu continues, c'est comme m'a dit ici là. Vous savez, mes gens, je ne peux plus clasher quelqu'un comme j'ai clashé un Mvoutou. Parce que un Mvoutou s'est attaqué à la République, elle s'est attaquée à la première dame. Il fallait que je sorte, il fallait vraiment que j'aille à fond la caisse. Borosangui, je vais même te clasher, ça va me donner quoi? Tu es quoi? Qui te connaît même d'abord? Je ne peux pas entrer en clash avec toi. Comme je fais là, c'est fini. Tu ne sais à rien dans la société, on ne te connaît même pas. Tu as compris. Tu existes parce que tu coupes les vidéos des gens. Crée ton contenu. Quand je vais aussi commencer à envoyer les. C'est seulement que ici, là, je ne sais pas. On n'envoie pas les étoiles. Quand j'arrive en bain, je vais pulvériser les pages avec les étoiles. Les pages comme une femme comme Dorcas, Ma Dorcas. Quand j'écoute cette femme-là, j'ai ri. Hier dans la nuit, j'ai écouté cela. J'ai ri jusqu'à ce que j'ai failli faire pipi. Voilà les gens qui méritent les étoiles. Que je ris comme ça, après je dis que j'ai mal au côte. Je dis Dorcas qui vient d'arriver là, elle t'a terrassé. Quand tu écoutes le direct de Dorcas, le décryptage de Dorcas, à fond la caisse. Je vais bombarder les étoiles, parce que je ne sais pas comment bombarder les étoiles ici. Essayez de faire souvent que vous, les blogueuses là, que nous qui vous supportons, il faut mettre votre OM. Si vous êtes au Cameroun, mettez OM, non. Et vous mettez aussi les gens qui mettent les étoiles. Et nous, là, on met le OM. Vous comprenez?
Au nom de Dieu, que si Dorcas avait, s'il avait son numéro OM, j'allais lui faire un dépôt hier soir. Tellement elle m'a fait rire. Tellement elle m'a, la femme a le contenu. Quand elle décrypte, c'est la magie. C'est la magie quand Dorcas décrypte. Toi, tu vas venir parler quoi? Tu peux faire un décryptage. Le faux français de Google que tu parles comme ta soeur, ta copine est un voutou. Vous faites même quoi avec vos diplômes? Apparemment, vous êtes des diplômés. Je dis, hein, ton diplôme, c'est vous travailler dans le camion. Hein? Parce que je te vois toujours dans le camion. Vous faites même quoi avec le diplôme? L'autre a le diplôme du dimanche. Qu'elle dit qu'elle a le doctorat. Elle travaille sur Facebook. Toi, tu as le diplôme que tu es seulement dans le camion. Si tu n'es pas dans le camion, tu es devant un frigo qui est à la télé. Hein? C'est ça. Donc, tous les diplômes, tout le gros français là, c'est pour venir rester devant le frigo. Et tu mets la télé sur le frigo. Et après, tu vas entrer dans le camion avec un de ces cancans. Elle a tout des écharpes depuis. Mais au Canada, là, il n'y a pas la mode. Hmm? Au Canada, là, il n'y a pas la mode. Il n'y a pas la mode au Canada. Parce que là, tu es has-been, hein. Tu es très, très has-been, hein. Tu es has-been en tout. Il n'y a rien que tu mets et qu'on dit que oui, c'est d'actualité. Mais toi, tu achètes même tes choses là-haut. Toi, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu viens parler à Madame Chapuis. Ah, sans bon moment. Tu viens me parler. Borosangi, méfie-toi. Parce que là, quand je te vois vraiment, mieux encore, tu entres dans le noir comme ta meilleure amie. Mieux tu entres dans le noir. Tu restes au noir. Parce qu'elle a vu que c'est challengé avec nous comme ça, là, en plein jour. Les Nathalie, les Natacha de Monaco, les Guylaine Chapuis, mieux reste dans le noir. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas. Toi, va dans le noir. Que devenu nous, quand j'étais même vu encore en France. Oh là là. Purée. Ouais. Ouais, être star, c'est tout ça. C'est l'image, hein, ma. La star manière, c'est l'image, hein. C'est la vie, hein. C'est le temps, hein. C'est c'est beaucoup de choses, hein. Ah oui, 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 oui. C'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Et ici, là, ils font aussi le teint. Les Coréens, ils font des injections, ils font plein de choses. Tu deviens jaune, si tu veux. Mère Doloa. Bonjour, Jackie. Les habits de Mère Doloa, vraiment de Dieu. Quand on dit que c'est Mère Doloa qui cherche les problèmes, Madame Chapuis, on se demande si c'est le monde à l'envers. Hmm? Mère Doloa, je vais me lever de mon lit. Moi, je t'ai dit que... Les gens qui me suivent, je marie toujours tout. Je ne dors, je marie tout. Cette semaine, j'ai un couvre-lit mauve. Et là, toutes mes chemises de nuit cette semaine, ça sera avec un fond mauve. Si je veux mettre le foulard, il faut que ce soit pareil. Doloa. Daloa. Daloa. Jusqu'à dire que les injures glissent sur elle. Mais oui, si ça ne glisse pas sur toi, tu vas changer les injures. Si on dit que tu n'as pas d'habit, si ça ne glisse pas sur toi, tu vas trouver l'habit où. Même les H&M, il n'y a pas ça là-bas. H&M, il n'y a pas ça là-bas. Toi, tu viens chercher des problèmes aux femmes comme moi. Tu viens te mesurer. Hein? Tu viens te mesurer à une femme comme moi. Tu comptes sur quoi? Tu m'insultes sa part. Avec tes dents comme si tu rongeais le... Comme les dents des rongeurs, les souris qui rongent la... Tu as les petites dents comme ça. Mal entretenu. Toi, tu viens me parler. Tu viens me parler. Méfie-toi. Sur ce, je te laisse d'abord comme ça. Comme j'ai dit, tu n'as pas mon niveau de clash. Tu n'as pas mon niveau de clash. Ce n'est pas de ma faute si tu es laide. Ce n'est pas de ma faute si tu n'es pas attirante. Ce n'est pas de ma faute si tout ce que tu fais... C'est pas de ma faute en fait. Tu m'as pas vu commander avec toi. Tu m'as pas vu mendier avec toi. Tu m'as pas vu faire quoi que ce soit avec toi. Apprends à chercher tes détracteurs. Cherche les gens avec qui tu peux faire tes conneries là. C'est pas avec moi, hein, Borosangi. Ce n'est pas avec moi. Personne n'a jamais su que j'ai refusé d'être ton ami. Maintenant, si tu continues, ça va très très mal se passer. Va t'allier à un voutou. Comme tu as dit que un voutou m'a insulté, ça t'a fait du bien. Va t'allier et vous venez à deux. Je vous broie.
Je vous broie, donc comme on broie l'arachide du dolé. Parce que vous ne voyez pas. Il y a une dans le camion, l'autre dans le noir. Je ne vous vois pas. Moi, je suis sous la lumière. Je suis sous la lumière. Oh, ah. Moi, je te dis, tu me fais de la peine, hein, Borosangi. Tu me fais de la peine. Jusqu'à tu as dit que, je t'ai entendu dire que, Aïcha, écris-moi inbox. Je suis pas, c'est pas les choses de Facebook. Vraiment, c'est pas les choses de Facebook. C'est pas, c'est l'Afrique centrale, l'Europe même qui vient là-bas. Donc, c'est pas une adresse que je vais publier comme ça. Non, non. C'est vraiment pas, c'est pas n'importe quoi. Donc, je vais pas me mettre à mettre une adresse comme ça ou non, je peux pas mettre sur Facebook. Non. Il faut que je sois sûr, il faut que j'ai la preuve comme quoi, il faut que je te donne l'adresse. Que c'est mais la loi. Tu comprends? Moi, je te dis, hein, fais gaffe. Choisis tes adversaires de clash. Nous, on n'a rien en commun. Rien. On ne peut rien avoir en commun. Tu as compris, Aïcha, écris-moi. On ne peut rien avoir en commun. Ça va, ben, je dirai, et tout, et tout. Déshabille-toi un peu, montre un peu ton caleçon, Borosangi. Là où tu es là maintenant, j'enlève ma culotte, je montre. Sale femme. Vous allez même faire que quelqu'un dégame ici, là, sur Facebook. Une femme que tu sens que c'est, si elle ne peut pas mettre 5 euros pour s'acheter une culotte. Quand on te voit, on sent que tu ne peux pas mettre 10 euros pour une culotte. Pendant que nous, on met les soutiens Lise Chamel, 350 euros le soutien-gorge. 350 euros. La dentelle française. Dentelle, donc, piquée sur de la dentelle. 350 euros Lise Chamel. Barbara, c'est ce que nous, on met. Toi, tu peux mettre 10 euros pour une culotte. Parce que c'est déjà un t-shirt. Tu n'arrives pas à mettre un t-shirt de sport quand tu fais du sport. Tu connais mes tenues de sport. Toi, tu viens me parler que tu es qui? Tu prononces mon nom sur la base de quoi? Tu es qui? Qui t'a donné l'autorisation de proposer mon nom? Parce que toi, tu cherches les boss. Boss lady, je suis ta boss lady. Je suis ta boss lady en tout. Mince. Tu es normal? Pas parce qu'on te laisse faire tes conneries là et tout, hein? Non. Il faut que tu aies tes limites, hein? Et tes limites. Tu parlais d'un voutou là, il ne peut plus venir au Cameroun là. Et si c'est ça que toi tu veux commencer, on va y arriver. On va y arriver. Mais tu ne sers même à rien. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Les gens prononcent Guylaine Chapuis, tu prononces, tu connais. Toi tu es allé à la présidence, Borosangi. J'ai vu que tu avais salué la première dame. C'est passé inaperçu, hein, maman? Maman, c'est passé. Maman, tu étais parmi les bails en ça, là. C'est passé inaperçu. Tu as vu comment le passage de Guylaine Chapuis a mis ta Marlène hors d'elle jusqu'à la pousser à recevoir l'asile politique? Le passage de Guylaine Chapuis. Tu as vu la vidéo? Tu as vu ce qu'on dit que tu passes saluer la première dame qui te connaît? Moi, j'étais vue. Nul. Tu es même allé saluer que tu fais quoi? Tu t'es présenté que quoi? Voilà donc les gens qui quand ils chopent les trucs pour le machin. On te fout là parmi les commerçantes. Parce que tu t'es présenté que tu fais quoi? Parce que pour aller donner les vœux, il faut que tu te retrouves dans un cadre. Moi, j'étais dans le cadre familial et dans IS, invité spéciaux. Invité spéciaux, même pas familial, invité spéciaux. IS. Toi, tu étais où? Parce que c'est passé inaperçu. Moi, ça a fait le tour du monde. Et ça a finalement rendu une personne dépressive. Ngongo, connasse. Allez, je vous laisse parce que j'ai des choses à faire. Là, comme je peux sortir, je suis déjà presque bien cicatrisé et tout. Je vais aller nettoyer mon masque au curcuma, tout ça et tout. Et vous allez voir que ce n'est pas, en fait,
Comme je vous ai dit, je vais vous montrer le rendu sans masque, sans rien. Mais sinon, le rendu, il est là. Il est là, c'est comme ça. Et puis, voilà, c'est comme ça. Parce on te fait vraiment les bons soins et tout. Mais il faut avoir beaucoup d'argent, hein? Il faut avoir beaucoup d'argent, hein? Albine, merci. Faut avoir beaucoup d'argent, ça ne coûte pas 10 francs, hein, mes gens. Parce que moi, j'ai tout refait, hein. Il faut avoir de l'argent, hein. Faut pas compter, hein. Voilà. Pas les choses de Facebook, hein. Tu as compris, Babalé? Va m'enlever tout ce que tu as là. Tout ce que tu as là. Et puis, tu me coupes les scènes là. On te comble ça. C'est noir parce que c'est affaissé. Tu me fais ça. Si tu as envie d'être une pupille, une femme publique. Une femme publique, elle est propre. Une femme publique, elle a de l'image. Elle est soignée. Elle est nette. Tu as compris. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très, très fort. C'était Madame Guylaine Chapuis, la veille de la République, qui s'y frotte, s'y pique. Bonjour, Patricia. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est comme ça. Et si tu continues, je verse tout ce qu'on m'a versé. C'est avec les photos de tes mounas et tout ça. Mais tu sais que moi, je n'ai pas envie d'y arriver. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours des limites. Parce que moi, faire du mal, ça ne me dit rien du tout. Je n'ai pas envie de faire du mal aux gens. Parce que la vie est tellement belle. La vie nous donne tellement de cadeaux, d'opportunités, de la chance, que vraiment, il faut éviter d'être méchant. Borosangi, ta méchanceté, vraiment, c'est triste. Moi, à ta place, je n'allais jamais, jamais, jamais faire le clash avec Nadège Mbapa. Parce que quand on vous a déjà tellement vu ensemble, même si ça ne va pas, le savoir-vivre demande que vous puissiez vous séparer en dehors de la toile. Sans pouvoir le montrer aux gens. Sans pouvoir le montrer aux gens. Tu as compris? Normalement, tu ne devrais pas. Parce que c'est toi l'aîné de Tatana. Tu ne devrais pas pousser pour te retrouver en train de te chamailler. Je dis, hein, ou parce que quand vous êtes vieille là, vous mettez toujours le pantalon. Là, je ne vous dis plus rien dans le comportement. Tu ne devais pas te quereller avec Na. Tu ne devais pas te quereller avec Nadège sur la toile. Il y a les choses que c'est les enfants, les petites filles qui doivent le faire. Les gens comme les Nicole Kecha, la Lionne, nos filles là, elles peuvent faire des choses comme ça, on se dit c'est leur âge. Mais vous les plus vieilles mères comme toi, il y a un malentendu, tu aurais pu gérer ça là vraiment en dehors des caméras. En dehors des caméras. Mais quand vous êtes à la recherche alors, toi tu es à la recherche parce que la plus affamée c'est toi. La plus affamée c'est toi. C'est la monétisation, ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Chercher l'argent sur Facebook, ça peut te tuer. Tu peux même devenir. Là, c'est des scènes que tu ne dors même pas. Tu ne dors pas, Nathalie Babalé. Mais tu ne peux pas devenir ce que tu veux si tu ne travailles pas. Mais comme tu es Tinda, tu ne vas gagner que l'argent de Tinda. Tu n'auras que le salaire de Tinda. Et les nous là, qui sommes les femmes autonomes, qui travaillons à notre propre compte, qui comptons notre propre argent, tais-toi. Tu ne nous prononces pas. Tu ne prononces pas le nom des femmes qui te dépassent. Allez, gros bisous à vous. Je vais aller déjeuner et puis je pars. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vous aime très, très fort. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.